Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, programme épaule à la maison avec Alter. Donc, prépare-toi, prépare ton eau, prépare tout ce qu'il faut et on y va. Bon, j'ai pas précisé, hein, c'est la playlist spéciale pour si tu veux aller dans des forces d'intervention, si tu veux travailler dans la sûreté armée ou sûreté privée et tout. Ou alors si tu veux avoir un physique solide. Ok, peu importe les deux, ça marche. Il y aura trois exercices. Premier exercice, on va se faire des élévations latérales en unilatérale. Ça veut dire quoi prendre en haltère? Hop, 10 répétitions d'un côté, l'autre, 10 répétitions de l'autre. Et après, on prend les deux et 10 répétitions. Ça, on va se le faire 4 fois. Premier exercice. Donc, prépare-toi. Tranquillement, on part dans 5, 4, 3, 2. 1, on y va. 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les deux. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok, hop, je mets mon temps de repos et on titrait. Alors, première fois que je suis allé, enfin la première fois du moins que j'ai postulé pour faire la sûreté dans les transports armés, ça remonte à mes 18 ans. J'en ai 25 aujourd'hui, bientôt 26 en mars. Et c'était quelque chose qui me plaisait déjà depuis à l'époque. Depuis à l'époque, mais il fallait être majeur, tu vois. Je me suis dit, quand je serai grand, je vais faire ça, c'est sûr. Je vais avoir une arme. Je vais protéger les gens et je vais devenir un super-héros. Moi, c'est ce que je voulais, c'était ma vision des choses. Donc, c'est là depuis longtemps, tu vois. J'ai postulé, tout s'est bien passé, toujours refusé, malheureusement. On m'a jamais pris, jamais appelé, jamais laissé de chance. Et ça, c'est dommage. Et on repart parce que c'est la deuxième. Allez. Hop, pardon, je pose. Hop, on y va. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre côté. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Hop. Deuxième série. Ok. Il fallait que j'attende jusqu'à mes 24 ans. Jusqu'à mes 24 ans pour pouvoir avoir cette chance de postuler. Juste cette chance. Moi, depuis longtemps, je postule. Depuis longtemps, tous les ans, je postule. Oui, non, votre profil ne correspond pas. Votre profil ne correspond pas. J'ai même passé mon diplôme d'agent de sécurité simple, juste pour ça. Juste pour avoir un CV qui me dit que voilà, j'ai ma carte professionnelle de sécurité, d'agent de sécurité. J'ai fait de la sécurité, j'ai de l'expérience en sécurité. Donc, je suis légitime à rentrer dedans. Même avec ça, c'était compliqué. Mais finalement, comme là, ils ont besoin de personnes pour les JO 2024, eh ben, ils recrutent en amont. Et suite à ça, oui, là, on a commencé à me dire, allez, c'est bon, tu peux venir. Enfin, tu peux venir passer les tests, entre guillemets. Et là, on y va. Allez.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, troisième, il nous reste une, les gars. Et on est bien. Le premier, je passe mes tests. C'est pour être agent de sûreté dans les transports parisiens. Armé. Je passe une espèce de préformation parce qu'en fait, il y a un organisme qui aidait les jeunes à être apte à passer le vrai examen. Donc, c'est aussi que j'ai fait un pré-examen. Ce pré-examen était beaucoup physique, énormément physique, mais vraiment, vraiment énormément physique. Un tout petit peu intellectuel, mais que physique. C'est là où j'ai vu que la musculation, c'était bien, mais il manquait quelque chose. Il manquait ce cardio, parce que c'était très, très cardio. Et c'est pas facile le début. Les premiers mois, ça a duré 3-4 mois. Les premiers mois, c'était très, très dur. On va pour la dernière, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super, les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Quatrième trait. Je me prends une 30 de repos tranquillement. Et on passe à l'exercice suivant. Exercice suivant, élévation latérale simple. On prend nos haltères, hop, on envoie 10 reps tranquillement. Ça va te faire du bien, là tu mets un peu plus lourd si tu veux. Et puis voilà, c'est parti. On part dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Je mets hop mon petit trait. Hop. Physiquement, comme je t'ai dit, c'était très dur. C'était très dur. On arrive, on fait du hit, on fait des sprints, on fait des burpees, on fait tout ça. Et je me suis dit, waouh. Franchement, mon corps avait du mal à supporter, mais comme je fais de la musculation, j'ai eu un point négatif. Le premier, c'est que je tétanisais très très vite. J'étais congestionné très très vite et je pouvais tenir moins longtemps. Mais c'était ce point négatif. Le point positif, c'est que grâce à la musculation, mon corps sait ce que c'est l'effort, sait ce que c'est d'être tétanisé et il s'adapte très vite. Ça veut dire que il m'a fallu 2 semaines pour ne plus rien sentir, pour être l'un des meilleurs en physique. Là, cet examen-là, j'étais pas le meilleur. Il y avait 2-3 personnes au-dessus de moi. Des personnes beaucoup plus maigres, beaucoup plus fins, mais clairement au-dessus de moi physiquement et mentalement. Et ça, c'était impressionnant et ça m'aidait à aller beaucoup plus loin. Et là, on y va. C'est parti. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. J'ai pas mis mon trait.
Et du coup, quand j'allais dans ce centre de formation, je m'entraînais pour être le meilleur, pour être le premier, pour être le plus fort. Et j'arrivais pas, et j'étais content parce que ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Très longtemps que ça m'était pas arrivé de venir, de voir quelqu'un meilleur que moi, mais de loin, et d'essayer de le dépasser, de pas réussir à le dépasser. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette sensation-là, et j'ai vraiment kiffé parce que je venais, j'avais un ennemi à abattre. Et ça, c'était bien. C'était gentil, c'était de la bonne guerre, mais pour moi, ça m'aidait à aller loin. Dans ce centre de formation-là, on a appris beaucoup plus sur le physique que sur l'intellectuel, tu vois. Parce qu'il y avait des examens de lecture silencieuse et tout, de tout ça, là. Tu vois, t'as un texte, tu lis, t'as des questions. Moi, ça, je l'ai pris à la légère. Concrètement, je l'ai pris à la légère. Et là, on repart. C'est parti. Troisième. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, allez, neuf et dix. Très bien. Hop, troisième. Lecture silencieuse, je l'ai pris à la légère. On arrive à l'examen, physiquement, je suis prêt, je suis top. Je suis là physiquement, je suis là. Sachant que les prérequis pour rentrer, c'était faire un 100 mètres en moins de temps, enfin en un temps imparti. Faire, je crois que c'était 3 km en un temps imparti. Faire au moins 10 tractions. 10 tractions, j'en faisais 32 à cette époque-là. Pour te dire que je me suis dit, il faut en faire 10. Si on en fait 10, on a 10 sur 20. Si on en fait 20, on a 20 sur 20. Moi, je me suis dit, je vais en faire 30 comme ça. Ils vont voir que moi, je suis pas au même niveau qu'eux. Et effectivement, traction 32, tu vois. J'arrive à la lecture silencieuse. Pour moi, j'étais tellement focus niveau physique que le reste, je l'ai oublié. J'arrive, je lis ma feuille, je comprends rien. J'ai un espèce de trou noir. Même ma tête ne veut pas retenir ce qui a marqué sur la feuille. On y va sur la dernière, allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, allez, six, sept, huit, neuf et dix. Bon, les gars, on prend une 30 tranquillement et on passe au dernier exercice, ok? Dernier exercice, double élévation frontale. Donc, on va prendre les haltères en neutre, comme ça, on se pose bien sur le dossier de notre chaise et hop, on balance en avant tranquillement. Ok, on va se faire 4 fois 10 répétitions. C'est parti. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. On y va. 1, 2, 3, 4. Allez. 5, 6, 7, 8. 9 et 10. Ok. Un truc. Et j'ai complètement foiré mon épreuve éliminatoire de lecture silencieuse. Complètement. Complètement. Je me suis dit, vas-y, c'est bon, c'est fini. J'avais le seum. Parce qu'on me disait, oh, mais quand on voit votre physique, c'est sûr que vous serez un bon agent et tout, vous êtes meilleur que la plupart des personnes qu'on voit. En fait, le problème, c'est que quand je me suis fait sortir, eh ben, les gens autour de moi de cette entreprise, ils me disaient plus que c'est dommage que je sois éliminé parce que physiquement et quand on me parle, ben, on sent que je suis là. On me disait concrètement, on me disait, bon, c'est pas grave, salut, fin pour toi, tu vois. Du coup, je suis rentré, j'avais le seum, hein, j'avais le seum de fou. J'ai postulé direct dans la boîte de sûreté transport la plus compliquée. Parce qu'il y avait Celta et l'autre la plus compliquée, ok? Et là, on repart. 2, 4, 5, allez, 6, 7, 8. 9, 10, ok.
2. Et j'ai réussi à rentrer dans cette boîte-là. Mais ça, je te dirai ça dans un autre programme après, comment c'est passé, parce que là, c'était beaucoup plus long. Il y a plein de trucs à dire. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Mais bon, je te dirai ça tranquillement. En tout cas, moi, ça m'a appris à être focus, à m'entraîner deux fois plus dur, et aussi à ne pas négliger la partie intellectuelle, la partie révision, la partie lire des trucs. Ça m'a permis à me recentrer sur tout ça, mais aussi niveau physique, ok? Parce que niveau physique, quand tu cours et tu vois que t'es pas performant alors que t'es balèze, c'est compliqué. Et quand les gens voient que t'es balèze, ils disent waouh, si lui il court pas, c'est que c'est bizarre. Ils disent c'est de la gonflette, tu vois l'expression gonflette, ben là il ressort. Et c'était vraiment énervant. Donc je me suis préparé pour être un meilleur agent. Et là on y va, c'est parti pour la troisième. Allez. 1, 2, 3, 4, ouais, 5, allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Hop, troisième trait. D'ailleurs, j'espère que t'aimes bien ces petites histoires, que je te parle un peu de mon parcours. Dans ces programmes-là, je sais qu'en général, je te parle un peu de tout et de rien, mais j'espère que t'aimes bien ça, que ça te dérange pas trop dans le programme. J'essaierai de faire attention, ça te dérange un peu, même si que je prépare des vidéos à l'avance, mais j'essaierai de faire attention, mais j'espère que t'aimes bien, j'espère que ça peut te motiver ou pas. Je te fais part de mes erreurs, de mes réussites, même si que l'autre centre de formation, tu verras que c'est pas vraiment de ma faute, entre guillemets, même si que il y avait une excuse de leur part que je comprends pas, tu vois, mais t'inquiète, on va en parler tranquillement, vraiment. Là, il nous en reste une, on va faire ça bien, 58, 59, et on y va, les gars. L'avant des épaules, c'est pour la veine, les gars. La veine de l'épaule, c'est important. On y va. 1, 2, 3, allez. 4, ouais. 5, allez. 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Et les gars, le programme est fini. Je vais quand même mon petit trait de fin. Le programme est fini, j'espère que tu as pu kiffer ce programme. Si c'est le cas, mets un petit j'aime, mets un petit commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir de m'entraîner avec toi. Ok ? Abonne-toi à la chaîne, c'est important. Et puis, moi je te dis bon courage et porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.